Mesdames, Messieurs, amis de la presse, bienvenue à cette conférence de presse d'Emirates qui se fait avec la participation de la MDPA. Je suis Radiège Dignoyal de TCU. Nous aurons deux intervenants, comme vous pouvez le voir. En premier, M. Omar Abdullah, qui est le directeur d'Emirates Maurice et M. Orlandin, et M. Arvin Benton, qui est le directeur de la MDPA. Après leur intervention, nous aurons des questions et ensuite on vous invitera à quelques enregistrements à la rivière. Et avant de partir au reception desk, registration desk plutôt, tous les membres des médias, vous aurez un press-kit avec toutes les informations. Donc, pour plus tarder, je demande à M. Franck-là de vous appeler. Merci, Albert. Le directeur va l'indiquer, Jean-Claude Mendel, and dear members of the media. Good afternoon and a warm welcome to all of you. Thank you. Thank you for making time and attending this press conference today. I am pleased to be here today on behalf of Emirates. As we all know, Mauritius, just like the rest of the world too, was affected by the pandemic and the unprecedented lockdowns which resulted for many months the island, like many countries across the globe, was cut off from the rest of the world. Everyone was affected, be it nations, families and businesses. Globally, the travel and tourism industry were heavily impacted. Emirates was not scared. Today we are back to where we belong, in the sky and safely flying people to their destination. We are ready to engage with the travel industry as we move forward with recovery and collectively engage to meet the pent-up demand for travel. At Emirates, mainly our focus is on recovery. It is through rebuilding our network and capacity to pre-pandemic levels, helping the industry recover through close cooperation and meaningful partnership, and investing for the future to position ourselves on an even stronger footing. We are already deploying upwards to 1 million seats network-wide per week, in line with surging demand for international travel, and have recovered more than 90% of our global network since the pandemic. It is in the spirit of resilience that we meet with you here, as today marks the reintroduction of Emirates double daily flights to Mauritius, hence offering a stronger connection of the island to 130 destinations across the globe. Indeed, Emirates has today reintroduced double daily flights to Mauritius, supporting the recoveries of the island's tourism industry by safely connecting leisure travelers from the American, Europe, Africa, Middle East, and the Asia Pacific to the island via Dubai. The airline will utilize its Boeing 777-300ER aircraft and its iconic Emirates A380 aircraft to serve Mauritius route twice daily. From 1st of July, the double daily flight will be exclusively operated by Emirates A380 aircraft, thus significantly increasing seat capacity to the destination. The Emirates A380 experience remains a favorite among travelers for its spacious and comfortable cabin. The belly hold capacity for Mauritius will also provide 280 tons of cargo capacity weekly to export products like pharmaceuticals, fruits,
vegetables and other perishables. Aircraft parts and spare ship spares, leather garments and exhibition goods. The total cargo transported over 2021-22 from Dubai to Mauritius was around 2,200 tons. We are back to pre-pandemic frequencies, and this is not something that should be taken for granted. We have worked for many months with the Mauritian government and the MTPA to increase seat capacity to the destination. And I would like to thank all those who have supported us, right from the government bodies, namely the Ministry of Tourism and the MTPA, as well as private operators and hoteliers. Supporting aviation, travel and tourism sectors, specific challenges, has never been so important. We have taken great strides in the last year to forge strong partnerships across the travel ecosystem and help to kickstart their recovery and as they rebuild their economies for the future. This year will also mark the 20 years of Emirates' operation into Mauritius. When we started our operation, our leaders stated that we were taking a long-term commitment to support this island. Time has shown that Emirates has kept its word, and we are today renewing this commitment in even stronger terms. Emirates recently renewed its MOU with the MTPA with the objective of promoting the destination across its network and jointly undertaking marketing activities such as roadshows and familiarization trips. Emirates will also provide support to the promotional efforts being initiated by the authority to sustain the visibility of the destination in three markets. Some of the joint market efforts in our group planning include Emirates Holidays, the two operating arm of the low-power airline, features Mauritius from over 30 source markets in GCC, Middle East, North America, and Asia. Emirates Holidays has partnered with 45 different hotels from the island destination to provide unique experiences, choice, and diversity to the travelers. The website of Emirates Holidays include a stand-alone Mauritius landing page to promote the destination. Mauritius is part of the Emirates Holidays Summer Campaign 2022, with different properties featured over 4 weeks with Emirates Holidays, extending room discount offer and complimentary stay for kids. In the coming months, we will work hand-in-hand with MTPA to further enhance the visibility of Mauritius across Emirates network. We have every reason to believe that our efforts will be fruitful as it has been prior to the pandemic. We are confident in the success of our joint endeavor with Mauritius, and as a business, we are quickly building recovery momentum. We are focused on our long-term interests, but we are also ready to pivot and act quickly to respond to market changes and dynamics. On this note, I would like now to invite Mr. Irvin Bandel, Director of MTPA, to address everyone. Thank you. C'est la visibilité. Cette augmentation au niveau des sièges d'avion
aura un effet catalyseur pour l'industrie touristique qui sera déterminant aussi pour la croissance économique du pays. Emirates, qui connecte avec 130 destinations, nous aidera à réaffirmer notre présence sur le radar touristique et aussi sur nos marchés phares et émetteurs de tourisme. De notre côté, au niveau de la FDPA, nous travaillerons de concert avec les équipes d'Emirates pour des campagnes bien ciblées, des campagnes marketing bien ciblées sur des marchés phares, afin de pérenniser le deuxième vol, qui est extrêmement important pour l'industrie touristique, pour l'avenir du pays. On a vu récemment, durant les derniers mois, à la réouverture, que l'île Maurice demeure extrêmement résiliente comme destination touristique. Et depuis la réouverture, aujourd'hui, nous avons atteint quasiment la moitié, donc presque un demi-million de touristes que nous avons accueillis. Nonobstant l'effet que nous avons dû faire face, on a tous connu l'effet Omicron, où le marché sud-africain a dû, on a dû fermer nos frontières au marché sud-africain. Notre passage de la mise rouge et carte au niveau du marché français, bien sûr, il y a eu un effet sur les autres marchés européens. Donc, mais on peut dire que l'île Maurice demeure très résiliente, avec le support d'Emirates, bien sûr, qui est un partenaire stratégique pour nous. L'île Maurice, on croit à venir, donc l'île Maurice brillera comme destination touristique. Je vous remercie infiniment. Merci M. Moudra et merci M. Badel. Je vous invite à poser quelques questions, si vous en avez, bien sûr. Monsieur Benton, vous venez de dire que destination fort, quels sont un peu ces marchés forts que vous allez travailler avec Emirates? Écoutez, on travaille ensemble sur plusieurs marchés. Là, j'ai en tête un marché qui est en train de reprendre très bien nos attentes, c'est l'Angleterre. On a pas mal de campagnes ciblées, comme on appelle les joint marketing campaigns, on a sur l'Angleterre, sur la France, sur l'Europe. Et on attend ce que l'Asie s'ouvre aussi. Donc, c'est surtout très eurocentré pour le moment. Quelles seront les fréquences de vol? Des migraines sur l'exemple? Oui, les deux. Les deux vols, pas sûr. Oui. Les horaires. On a des détails dans le casque, hein? On a tous les détails. Les deux vols par jour, un qui arrive le matin, qui le prend le soir, et là qui arrive dans l'après-midi, qui le prend l'après-midi, à partir du 1er juillet, ce sont des A380, avec première classe, business class et economy class. En première et business, nous avons 90 chaises. Est-ce que vous avez l'intention d'introduire le Eco Premium à Maurice? Vous savez, pour l'instant, nous n'avons que 6 avions qui ont été mis en suite avec le premier économie. Il y a plusieurs vols à l'avion qui doivent être retrouvés, mais pour l'instant, ça se fait loin de Paris, l'Australie et quelques autres destinations américains. Et je suis sûr que ça va venir, parce que c'est dans les plans d'avoir les premières économies chez les vols. Madame, si vous me permettez, donc Emirates représente aussi le business class et le first class. Donc, sont des atouts majeurs pour la destination, étant donné que l'île Maurice cible une clientèle de luxe. Donc, la venue de ce deuxième vol compensera avec les sièges de business et de first class. Est-ce que vous avez prévu des recrutements au niveau de Maurice pour Emirates dans un avenir proche, des recrutements? Après, nous avons eu une campagne de recrutement qui vient de se faire le 1er et le 2 juillet. Il y a à peu près 300 personnes qui avaient postulé, qui ont été interviewées.
Et maintenant, notre chaise, notre HR département de chaise sont en train de voir les résultats. Est-ce que vous savez combien de personnes sur le programme de recrutement? Non, vous savez, en principe, je crois que vous avez dû lire dans plusieurs journaux et même à l'étranger que nous avons besoin de presque 3000 cabines worldwide. Mais c'est écouté worldwide parce que nous portons vers plusieurs destinations et nous avons différentes nationalités qui sont écoutées. Avec la hausse des produits pétroliers, l'île Maurice est possible pour les voyageurs de venir à Maurice avec une hausse des billets. Vous savez, les gens ont même voyagé aujourd'hui. Hein. Ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas voyagé. Et les gens voyagent incroyablement. Si vous voyez même sur Dubaï, si vous prenez le cas pendant l'expo, c'est 24 millions de visiteurs qui ont visité l'expo. Et aujourd'hui, si vous voyez la plupart de vols sur Dubaï est complet. Parce que ça a été aussi un bon marketing pour Dubaï. Et aussi maintenant, c'est l'opportunité des gens qui aiment aller beyond Dubaï, ils vont à Dubaï, ils s'arrêtent et puis ils vont vers leur pays. C'est à peu près le meilleur challenge pour toute destination touristique. Et si je prends l'exemple de Maurice, si vous voyez au fil du temps, depuis qu'on a rouvert le bout, comme je dis, la grande ouverture, on voit, malgré la hausse des prix, des billets d'avion, des hôtels, des produits, des prestations, il y a une certaine envie, il y a une certaine envie de voyager, il y a une certaine demande qui croît de moins en moins. Donc, dans l'Angleterre aussi, c'est pourquoi vous allez vers ce marché-là, en particulier. Définitivement, l'Europe demeure le plus gros marché pour nous. Donc, d'ailleurs, le tourisme à Maurice est extrêmement eurocentré. L'Angleterre, pourquoi l'Angleterre? Parce que aujourd'hui, nous faisons mieux de ce que nous faisions pré-pandémie sur le marché anglais. Donc, Monsieur Moutin, qu'est-ce que vous avez décidé de faire un deuxième vol pour aujourd'hui maintenant? Oui, il y a la demande. Il y a la demande. Et deuxièmement, vous avez l'objectif du gouvernement. Nous avons travaillé toujours avec le gouvernement et MDPA. L'objectif, c'est 1 million de touristes d'ici décembre. Alors on veut contribuer pour pouvoir arriver pour que le gouvernement puisse atteindre l'objectif. Justement, avec 2 vols par jour, est-ce qu'on doit attendre une baisse des tarifs du prix? Vous savez, aujourd'hui, regards to faire un tarif is very dynamic. It depends on the demand and supply. And it depends on the season. If you think July over September, can be low season somewhere and peak season somewhere else. Écoutez, madame, la basse saison a débuté depuis le 1er mai. Si vous allez regarder les chiffres de mai, donc je crois qu'on avoisine dans les environs de 70 000 touristes. Pré-pandémie, nous faisions dans les 90 000. Tenant en considération que certains de nos marchés sont toujours fermés. J'ai en tête l'Espagne, j'ai en tête la Chine, j'ai en tête l'Asie. Donc tout porte à croire que la basse saison vient d'entamer. Ce que nous voyons sur les prochains mois aussi, donc le mois de juin, par exemple, juillet, donc nous sommes confiants de pouvoir réussir une bonne basse saison en Maurice. Au-delà des marchés traditionnels, est-ce qu'il y a vers quelle destination il y a plus d'engouement parmi les Mauriciens qui ne sont pas forcément traditionnels? Vous voulez dire les touristes venant de... Non, les Mauriciens qui veulent voyager. Écoutez, ça, je ne saurais dire parce que je suis là pour faire venir les touristes. Donc, mais tout ce que je peux vous dire pour répondre à votre question, c'est surtout, vous savez, l'Asie est fermée actuellement, donc je vois beaucoup de monde. Oui, non, pour les Mauriciens, vous avez Dubaï, vous avez l'Inde, vous avez la Turquie, vous avez par exemple en Inde, les Mauriciens, ça part des villes, il y a pas mal de gens qui sont des villes ou à Chennai pour le moment, où vous avez pas mal de camions médicaux qui vont là-bas. Mais sinon, l'Europe et
l'Europe, du Maroc, où vous avez là côté une clientèle pèlerinage qui vont chez la mer. Et ce n'est pas tellement comme c'était avant avec les restrictions qu'il y a. Mais l'Europe, elle devient le premier marché. Vous savez, les Mauriciens, pas mal de Mauriciens qui ont des amis à l'étranger. Mais pour nous, ça qui nous intéresse aussi, c'est beaucoup plus l'incoming. Et le way to jump over business is a incoming business. C'est quoi le montant en co-chair avec un Mauritius? Nous avons un co-chair avec un Mauritius depuis très longtemps. Et ça continue, et ça marche très bien à notre satisfaction. Et je sais que c'est de la satisfaction des Mauritius ici. Et nous continuons à être ce co-chair-là continue. Et nos relations sont très basées avec un Mauritius. Concrètement, le MTA, le MTPA, qu'est-ce que vous mettez en avant pour justement attirer le tourisme? Excusez-moi, madame. Concrètement, le MTPA, qu'est-ce qu'elle met en avant pour justement cibler ces touristes-là? Est-ce que c'est toujours le traditionnel? C'est toute une stratégie marketing qui a été déclinée au fil des mois. Donc, il y a des certaines périodes où on target par exemple ce qu'on appelle les fenêtres de réservation sur différents marchés. Donc, c'est toute une campagne qui a été préétablie, donc qui dure. Donc, là, par exemple, c'est la campagne de basse saison qui est en place, qui est totalement différente d'une campagne de visibilité pour la haute saison, donc à partir de l'octobre. Là, actuellement, ce que nous faisons, nous travaillons sur la campagne pour la haute saison, c'est-à-dire pour la saison de vacances, c'est-à-dire pour octobre. Et là, ce sera beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus d'actions digitales et aussi des actions avec les gros tours opérateurs pour aussi se rendre compte qu'à Maurice, aujourd'hui, 80% de nos réservations sont faites par les opérateurs. Il y a pas mal de réservations pour la haute saison qui ont commencé à tomber, hein. Même pas seulement dans les avions, c'est les hôtels aussi. Et même les hôtels en ce moment, on dit que la saison basse, vous savez, la plupart des hôtels ont une très bonne clientèle. Donc on fait pas mal des hôteliers dans le domaine de moins de la semaine. Et ils disent que l'occupation est très bonne pour un mois comme mai et juin. Est-ce que vous misez sur l'allègement des restrictions pour justement attirer plus de voyageurs? La restriction sanitaire. Écoutez, je voudrais faire ressortir que l'allègement a été très graduel à la Maurice. Donc, si vous vous souvenez, quand on a commencé l'exercice de réouverture en juillet avec un resort holiday. Et puis, on a ouvert en octobre avec des mesures sanitaires qu'on a commencé à alléger graduellement. Et je suis confiant que dans les semaines, dans les jours à venir, il y aura définitivement un effet positif dessus. Mais bien sûr, donc, on va suivre ce qui se fera à l'étranger aussi. Merci. Je suis tenté de travailler ensemble pour la stratégie pour la haute saison. Écoutez, la MDPA est l'art du marketing. Donc, depuis la réouverture, il y a un comité public-privé qui est en place, dont M. Ramtoula est parvenu à nous. Donc, on écoute tout le monde. Et à ce moment-ci, on décide, on profite de la stratégie avec le concours du privé. Finish.